Yo tout le monde, c'est Alpha et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur GTA 5 Online. Je vais vous montrer comment avoir la tenue de la salle, c'est-à-dire celle-là. Car j'avais déjà fait une tenue sur ma chaîne, enfin une vidéo sur la tenue de la salle, c'est-à-dire celle-ci. Mais ce n'était pas du tout la même ni la bonne que j'avais faite. Donc si vous voyez bien le corps, enfin le torse, là c'est un truc, c'est un glitch. Alors que ce que j'avais mis moi sur ma vidéo, c'était une capuche noire. Mais c'est pas du tout le suit à capuche. Alors vous allez vous rendre à un magasin. Moi je vous conseille celui qui est donc ici. Mais je viens de terminer la tenue, du coup je suis encore ici. J'appelle mon mécano pour qu'il me ramène. I'm on the clock. What you want? Some wheels? It's coming at you. I'll get back to it then. Donc, comme je disais, vous allez vous rendre dans un magasin. Peu importe, mais moi, donc, je vous conseille l'autre. Vous allez dans les tenues et vous allez prendre la tenue. Tenue braquage combat lourd et vous allez prendre là pour ce bruit. Voilà. Maintenant, quand vous avez cette tenue, vous allez aller dans les hauts. Vous allez dans blouson de cuir. Et vous allez prendre là le blouson de cuir noir ouvert. Voilà, ça va faire un petit bug. Regardez les bras et le torse déjà. C'est glitché. Vous sauvegardez votre tenue. Bon, moi je vais l'appeler test. Voilà. Vous prenez là, vous allez dans tenue de vol et vous prenez la combinaison de vol noire ou la combinaison de vol verte. Je crois que c'est celle du nom. Mais je vous conseille la noire parce qu'elle a un casque noir. Alors que la verte, elle a bien un casque vert, bravo, tu l'as deviné mon enfant. Donc, vous allez vous rendre au club de ce film. Pour la suite du glitch, donc je le rappelle, vous devez avoir tout le régime volé et bien avoir sauvegardé l'autre tenue qui est déjà glitchée. Puis vous allez vous rendre au club. Une fois arrivé là-bas, bon, je pense que vous connaissez cette manip, qui est l'une des manips les plus connues de ce jeu. Vous entrez dedans, votre personnage n'a plus son masque. Alors vous mettez votre tenue, pour moi c'est la tenue test. Vous sortez et bam, abracadabra. Vous avez le casque de la combinaison de vol. Donc nous allons nous empresser d'aller la sauvegarder immédiatement ici. Pas bien. Pour les fois, allez. Voilà. Vous allez là. Au carré, vous supprimez une scène et vous la mettez. Voilà. Maintenant que vous avez ça, vous allez prendre soit dans, vous allez dans les tenues et vous prenez, vous allez dans extermination masquée, soit vous prenez la nuit masquée ou tout simplement vous allez acheter le masque qui est le masque de combat noir. Donc je vous le rappelle que vous pouvez l'acheter à côté de la plage, à côté de Santa Monica, au magasin de masques, juste là, masque de film Vespucci, voilà, à côté des fêtes foraines ici. Voilà, maintenant que vous avez la tenue ou le masque, vous allez vous rendre soit à votre appartement, soit à la plage. Donc moi je vous conseille l'appartement parce que pour aller à la plage il vous faudra un bidon d'essence avec vous. Donc moi je vais à l'appartement. Alors la manip de l'appartement est plus simple.
En plus, mon appartement est juste à côté. Parce que oui, j'ai vendu mon ancien appartement parce que ça sert à rien d'avoir des grosses appartements pétés qui ont plein d'argent. Puisque même l'appart que j'ai là, il m'a coûté 200 000 comparé à l'appart à 1 million que j'avais avant. Et ça change rien, il y a juste l'intérieur qui change. Les garages, 10 places, ça change rien. Il y a toujours la chambre, la salle de bain, la salle des braquages, et tout. Regardez. Vous avez vu, il n'y a rien qui change. Ouais, je me suis acheté un appart pour eux au lieu d'acheter un appart à payer. Je vous ai dit que ça ne sert à rien. Alors ceux qui ont plus d'argent, comme moi, voilà, seulement 500 000, je vous conseille de ne jamais acheter de gros appart parce que quand vous en achetez un, et quand vous serez dans la dèche, vous serez obligé de le vendre et là vous serez perdant. Alors maintenant que vous êtes à votre appart ou à la plage, mais je vous dis à la manip de la plage avec le besoin de chance. Maintenant que vous êtes à l'appart, vous allez vous placer de côté par rapport à la longue vue, de droite ou de gauche, mais moi je me mets de droite parce que de gauche il y a la table qui gêne. Et vous allez courir vers en spammant le bouton flèche de droite. Normalement, il devra enlever son casque et il ne regardera pas dans la longue vue. À ce moment-là, vous mettrez votre tenue test. Et vous allez vous en aller et hop, il mettra un masque. Voilà, donc ça c'est, ce n'est pas encore la tenue complète, parce que pour voir la tenue complète, il manque le sac de montage. Vous allez me dire, bah ouais, mais il manque les lunettes aussi. Oui, mais la manip pour avoir les lunettes, le casque et le masque de nuit est devenue impossible. Vous ne pouvez plus avoir deux lunettes avec votre casque de pilotage et votre masque de nuit. Alors vous allez devoir vous trimballer avec ça, désolé pour le mot. Ok, je me prends les murs au calme. Vous allez aller sauvegarder votre tenue, à moins que vous vouliez juste faire ça comme ça, et passer pour un début pendant toute votre vie. Vous sauvegardez votre tenue, et maintenant on va voir comment avoir le sac de braquage noir avec. Donc c'est très facile, il y a une vidéo sur ma chaîne qui commence en ça, mais vu que je suis gentil, je peux vous laisser aller la voir comme ça. Je vais vous montrer la technique en direct. Donc, pour avoir le sac de braquage sur une tenue, je vais pas le montrer dans cette vidéo, c'est beaucoup trop long. Je vous conseille d'aller voir la vidéo que j'ai faite qui concerne ça. Moi, je vais vous montrer comment transférer donc le sac de braquage noir. Alors, vous allez prendre la tenue. Une de vos tenues qui a le sac de braquage, ou la tenue qui a le sac de braquage, vous avez sauvegardé l'autre, vous allez prendre un véhicule ou commander avec Merryweather un hélicoptère, mais je vous conseille de prendre un véhicule et d'aller en chercher un à l'héliport. Et non, à l'hippodrome ou à l'aérodrome, des trucs comme ça, comme dirait certains, c'est bien un héliport. Hélice. Je rappelle, hélicoptère, avancé avec des hélices. Vous allez vous rendre à l'héliport ou à l'aéroport. Mais je vous conseille de prendre un hélicoptère au lieu d'un avion. Maintenant que vous avez votre tenue avec le sac de braquage noir, vous allez monter dans le véhicule volant en question. Vous allez prendre. Je vous conseille de vous approcher aussi d'un magasin de vêtements. C'est pour ça que j'étais là tout à l'heure. C'est parce que je venais juste de terminer à ma vie. Vous allez prendre un peu en altitude, comme moi. Vous allez sauter, activer votre parachute, inventaire, accessoires, et vous allez mettre votre curseur, pas appuyé, hein, vous allez mettre votre curseur sur la tenue en question, dans celle de la salle. Vous descendez. On est d'accord que celle de la salle que j'ai n'a pas encore le sac de braquage. Descendez, quand votre personnage enlève son sac, son parachute, vous mettez la tenue, et là, boum, il y a un bug.
Et voilà, vous avez transféré les 5 débrancages. Vous avez plus qu'à aller sauvegarder cette vidéo. Donc moi, je ne peux pas le faire vu que j'en ai déjà une. Je vais juste aller hey, supprimer. How can I help? No problem. I'll get him off your back. Je vais supprimer cette tenue-là. Parce que ça ne sert à rien d'avoir un double. Parce que j'ai la même tenue, sauf que celle-là. Donc, je ne l'ai pas encore sauvegardée, celle que j'ai sur moi. Donc, elle n'a pas encore le sac. Donc, je vais la supprimer et j'arrête pas de dire donc. Donc, on va se laisser pour cette vidéo. Donc, j'arrête. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve dans une prochaine vidéo l'année prochaine. Mais d'abord, je te demande gentiment de laisser un like. Non, je suis pas à t'obliger. Tu peux lâcher un like, mettre un commentaire et t'abonner si c'est le plus important. Ça fait toujours plaisir, ça fait plaisir. On est bientôt 20 sur ma chaîne YouTube. Allez! Heureusement que la musique s'est arrêtée dans le jeu, sinon je me prenais des copyrights. J'ai pas envie de recommencer ce que j'ai déjà fait. Tout pour cette vidéo, si vous avez aimé, c'est lâcher un like, mettre un commentaire comme je dis et t'abonner comme je fais plaisir, c'est toujours le plus important. Moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À la prochaine tout le monde, bye bye.